nous allons demander afin que nous soyons remplis de la puissance de Saint-Esprit, de la plénitude de Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit glorifie le nom de Jésus cet après-midi dans cette assemblée. Que le Saint-Esprit vienne nous embrasser, que nous puissions, que nous façonner à sa manière cet après-midi. Que le Saint-Esprit glorifie le nom de Jésus. Aujourd'hui, nous voulons voir des choses que l'œil n'a pas vues, que l'oreille n'a jamais entendu. Que le Saint-Esprit opère surnaturellement aujourd'hui dans nos vies, dans nos santé, dans tout ce que nous entreprenions. Que le Saint-Esprit glorifie le nom de Jésus. Que le Saint-Esprit nous console, qui nous accorde la paix et la joie. Que le Saint-Esprit nous console, car c'est lui qui est notre consolateur. Que le Saint-Esprit vienne nous consoler cet après-midi. Mets-toi debout, commence à invoquer la présence du Saint-Esprit. Mets-toi debout, peuple de Dieu. Demande à ce que tu sois rappelé de la présence du Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit glorifie le nom de Jésus dans ta vie, dans cette assemblée. Cher Saint-Esprit, agis puissamment dans cette assemblée. Oh, l'Esprit de Dieu vivant. Oh, Père Céleste, remplis-nous de ton onction. Remplis-nous de ta puissance, de ton esprit cet après-midi. Remplis-moi de ton esprit. Remplis cette assemblée de ton esprit, Père. Agis puissamment dans notre quitte. Donne la paix et la joie. Aujourd'hui, dans cette assemblée, viens nous consoler. L'Esprit de Dieu, l'Esprit de force. Glorifie cet après-midi le nom de Jésus dans ma vie, dans cette assemblée. Viens nous embrasser, viens nous puisser, viens nous façonner cet après-midi. Accomplis le miracle aujourd'hui dans cette assemblée. Accomplis la parole de Dieu aujourd'hui dans cette assemblée. Cher Saint-Esprit, assis dans nos vies, glorifie le nom de Jésus. Merci pour ta présence. Agis cet après-midi. Agis le fil de Dieu. Viens donne la paix et la joie. Aujourd'hui, la paix. Donne-moi la paix et la joie. Accorde la paix et la joie dans cette assemblée. Qui Seigneur Jésus. Accorde-toi de ce qui te chasse cet esprit. Glorifie le nom de Jésus. Son sang m'a lavé. Nous saluons ta présence. Yes.
Je sais que tu es Dieu. Viens nous consoler ce moment. Toi qui es notre Dieu. Vers le
Oui, Dieu va commencer une nouvelle histoire avec toi. Comme tu es venu, Dieu va commencer une nouvelle histoire avec toi. Aujourd'hui, c'est notre jour. Amen. C'est le jour de la gloire de Dieu. Amen. Il est là, notre Dieu. Amen. Oh, sa présence nous fait du bien. Amen. Sa présence nous fait du bien. Amen. Nous allons prendre l'autorité par le nom de Jésus. Nous allons prendre l'autorité cet après-midi. Car la Bible me dit, dans Luc 10, 19, notre Dieu, il nous a donné l'autorité, le pouvoir de marcher sur les scorpions et sur les serpents et sur toute puissance de l'ennemi. Et rien ne peut nous nuire. C'est pour cela que nous allons nous mettre debout. Nous allons briser toutes les lois établies contre notre vie. Cela doit être brisé aujourd'hui au nom puissant de Jésus-Christ. Nous allons briser toutes les lois établies contre notre succès, contre notre avancement, contre notre vie. Cela doit être brisé au nom de Jésus. Nous allons annuler toute parole de malédiction lancée contre nos vies. Nous allons déclarer des choses, car tu es prophète de ta vie. Mets-toi debout, programme de bénédiction, programme de bonnes choses pour la vie de tes enfants, pour ton église. Nous prenons l'autorité. Au nom de Jésus de Nazareth, nous prisons. Je brise toutes les lois établies contre ma vie. Au nom puissant de Jésus. Je brise cet après-midi toutes les lois établies contre la vie de ma femme, contre la vie de mes enfants. Au nom puissant de Jésus-Christ, je brise et j'annule toute parole. Je brise toutes les lois établies contre mon succès, contre ma stabilité. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, je brise les esprits d'échec dans ma vie. Je brise les esprits de pauvreté aujourd'hui dans ma vie. Au nom de Jésus, je brise tous les liens ancestrales aujourd'hui dans ma vie, dans la vie de mes enfants, dans la vie de ma femme, dans la vie de cette assemblée. Au nom de Jésus, nous brisons tous les liens ancestrales aujourd'hui dans cette assemblée. Au nom de Jésus-Christ, nous brisons tous les liens de condamnation. Je brise, Père, tous les liens de pauvreté aujourd'hui dans ma vie. Au nom de Jésus, je refuse la pauvreté dans ma vie. Je refuse la maladie dans ma vie. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, je déclare que l'Éternel est mon berger et je ne manquerai plus d'argent dans ma vie. Je le déclare au nom de Jésus. Je déclare que l'Éternel est Dieu et le berger de ma vie et je ne manquerai plus d'argent. Je ne m'attirerai plus de rien dans ma vie, car l'Éternel est Dieu et le berger de ma vie. Je le déclare au nom de Jésus. Je parle de prospérité, je parle de richesse aujourd'hui dans ma vie, dans cette assemblée. Au nom puissant de Jésus, au nom de Jésus, je proclame le succès. Je déclare beaucoup de succès dans ma vie, dans tous les domaines. Au nom de Jésus-Christ, je déclare la prospérité, la richesse de ma vie, dans la vie de mes enfants, dans mon foyer. Au nom de Jésus, je parle de guérison miracle aujourd'hui dans ma santé, dans la santé de ma femme, dans cette assemblée. Au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ, je brise toute influence diabolique et satanique aujourd'hui dans ma vie. Au nom de Jésus, je brise au Père l'esprit de réclamation. Je brise l'esprit de réclamation aujourd'hui dans cette assemblée. Au nom puissant, au nom de Jésus, je prends le succès de ma vie dans tous les domaines. Au nom de Jésus, je déclare la richesse de ma vie. Je prends la richesse aujourd'hui dans ma vie. Je déclare aucun malheur ne m'arrivera, aucun fléau n'approchera de ma tête, car mon Dieu ordonnera ses anges de me garder dans toutes mes voies. Je le déclare au nom de Jésus de Nazareth. Je prends le succès aujourd'hui dans tous les domaines de ma vie. Je déclare que je suis la tête. Je prends les prospérités. Je prends les miracles de cet après-midi dans ma vie, dans cette assemblée. Au nom puissant de Jésus, je déclare la stabilité aujourd'hui dans ma santé, dans mes finances, dans mon séjour, dans tous les domaines. Au nom puissant de Jésus, je proclame la victoire aujourd'hui dans cette assemblée. Au nom de Jésus de Nazareth, nous parlons succès dans cette assemblée. Nous parlons prospérité et richesse cet après-midi dans cette assemblée. Au nom de Jésus, nous parlons restauration. Nous parlons miracle cet après-midi dans cette assemblée. Au nom puissant de Jésus, au nom de Jésus, je déclare la bonne santé. Je déclare que c'est par la puissance de Dieu maître sûr que nous sommes guéris de toute maladie, Père. Au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom de Jésus, je brise toutes les fiances diaboliques qui sont en train d'étouffer nos étoiles. Au nom de Jésus, je déclare que nos étoiles brillent, que nos étoiles brillent dans tous les domaines. Je les déclare cet après-midi que mes étoiles brillent dans tous les domaines. Au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus, je parle les succès de ma vie, je parle les restaurations aujourd'hui dans ma vie, dans cette assemblée. Au nom puissant de Jésus, merci Seigneur Jésus, gloire et louange à toi Seigneur. Merci pour la victoire que tu viens de nous accorder. Merci Père, acclame
la victoire. Acclamez pour la victoire. Le Dieu des miracles est là. La présence de Dieu nous fait du bien. Aujourd'hui, je vous ai dit, Seigneur, notre jour. C'est pour cela qu'il ne faut pas rater. Quand tu viens pas, tu rates beaucoup de choses. Au moins que tu sois en voyage. Si tu es là, il faut venir. Et je dis que ceux qui viennent en retard, ils ratent des bénédictions. Ceux qui viennent en retard, il y a un ange là. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Je suis très en joie d'être là ce matin encore. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour une fête d'être là encore cette année? Et l'année passée, j'étais là. Qui était là avec nous? Wow. Qui n'était pas là? D'accord, pratiquement tout le monde était là. Moi en tout cas, j'ai été béni par ma première venue dans cette église. C'est aussi une église ici. Moi aussi, je suis membre de cette église. Licia. Amen. S'ils ne veulent pas de moi à Abidjan, je viens m'asseoir ici pour être béni. Alléluia. Ça fait, je crois bien, 10 ans maintenant que je suis frère, ami, petit frère dans le ministère, que le révérend Sylvie est mon doyen. Nazali Koloba est Boula Zombi, Nazali, camarade Ndekope, Leki a pasteur Sylvie, Oyo, Kozali Penza et Nongonaï qui camarade. Mon doyen ami. Azali Mukolo Nangai Pe, Azali Mbaka, camarade Nangai. Parce que dans la vie, il faut connaître sa place. Il faut penser à quoi Babisika Oyayo. Je suis très jeune. Naza Penza et Lengue. En âge dans le ministère. On me demande à Abidjan souvent, comment tu fais pour marcher avec les vieux? J'ai dit les vieux ont la sagesse. Et les jeunes ont le zèle. Dans la vie, je veux avoir de grandes choses. Pour Christ. J'ai besoin de la vigueur, de la chaleur. Je l'ai déjà. Mais la sagesse se trouve avec les hommes âgés. C'est pour cela qu'Abidjan m'appelle le jeune des vieux. Ils ont plus de 30 ans de ministère. Alléluia. Amen. Et donc, aujourd'hui, on est autour des 10 ans de c'est ça. Ok, il y a des personnes qui étaient là au début. Est-ce que ça n'a pas tout besoin de faire quand les bandes? D'accord. Amen. Et cette année, Mbula Oyo, il est venu spécialement en Côte d'Ivoire. Ayaki penza na lolenge oyo na lenge oyo spécial na kati ya mboka Abidjan. La conférence de Pentecôte. Ayaki na kati ya conférence ya Pentecôte. Chaque année, nous célébrons la Pentecôte en croisade d'évangélisation. Pour la nôtre, on célèbre la Pentecôte et on a la carte d'évangélisation. C'est pour ça qu'à croisade d'évangélisation. Mais cette année, c'était spécial. Mais pour la haute présence, avec moi spécial. On a bien voulu qu'un homme qui a de l'expérience, qui est âgé, qui a marché longtemps avec le Seigneur, vienne prêcher à la Pentecôte dans notre église en construction. Voilà l'église en construction. Il est le premier orateur qui vient d'organiser le premier programme dans l'église. Il peut acclamer le Seigneur pour ça.
de couler la dalle qui couvre le temple. Nous savions bien qu'il allait arriver. Et donc nous avons déménagé le culte là. Ceux qui nous suivent de près, on faisait les soirs et les dimanches dans pour préparer son avenir. Pour préparer sa venue. Alléluia. Amen. Et en tout cas, on a été bénis. On a été richement bénis. Surtout moi. Parce qu'il a prêché sur la polyvalence et la diversité dans le ministère. À la session des pasteurs. On a eu deux matinées. Où les pasteurs sont venus de partout. Nous sommes jeunes, mais nous avons pratiquement beaucoup d'églises en Côte d'Ivoire. Pour gérer ces églises, il faut marcher avec les vieux. Ceux qui ont de la sagesse. Écoutez, dans l'église, même quand tu gères deux personnes, déjà c'est problème. C'est pas ça. Plusieurs églises. Mais ce qu'on mangomba et bénin. Un pasteur avec des fidèles. Pasteur pesant la bandiminae. Ça c'est un boulot. On a pesant ça moussala. Amen. Amen. Et donc on a été béni parce que il a parlé de pratiquement de mon ministère. Moi je suis apôtre. Mais j'ai une consécration prophète. Il a parlé de la diversité. Je me suis assis pour écouter comme un nouveau. Parce que je vais aller loin. Il y a des gens qui connaissent tout dans la vie. Finir ne soit rien. Mais pour la possible, ça va être rien. Gloire au Seigneur. Je me suis souvent effacé dans les programmes. On a été bénis. À la fin, il a prié pour... Parce que nous, on a dit au révérend Sylvie qu'on va te presser tout ce qui est bon en toi. On va enlever ici. De toute façon, ton Dieu va te remplir la face de ton problème. Je vous dis, en même temps, commencez à prier pour que son Dieu le remplisse avant qu'il vienne. Nous, on a déjà pris tout ce qui est en nous. Appelez le téléphone pour dire, papa, il faut te recharger parce que ça va être qu'il faut te décharger. Amen. Amen. Et donc, les représentants de nos différentes églises étaient là. Il a prêché dans d'autres églises. Et actuellement, il est au Ghana. Avec les fils du Padre. Les fils du Padre, c'est des chants. Ah, ok. Na bana oyo. Les chants. Ah, ok. Na oyo à Côte d'Ivoire. Voilà. Ah, okay. Donc ils sont là-bas et je crois bien qu'ils finissent cette semaine. Maman, ne t'inquiète pas, tu vas retrouver ton mari. Maman, pour chanter, mais elle a joué un présent dans la poste. C'est pas de sa faute. Oh, c'est le présent faute qui n'a été. Il est apôtre. Nous, les apôtres, on ne s'assoit pas. Il a une onction apostolique. Il est important pour vous de comprendre l'onction apostolique qui est sur votre leader. Les apôtres, Dieu leur donne des enfants. Les enfants doivent comprendre leur apostolat. C'est ce qui explose leur église. Quand les enfants ne comprennent pas l'apostolat de leur homme de Dieu, l'église n'avance pas. Mais quand les enfants comprennent, l'église avance. Je crois que cette année, je dis cette année, Dieu va t'utiliser pour beaucoup de choses à Lucia ici.
Amen. Est-ce que vous comprenez cela? Cela est très important. Moi, je suis arrivé pour vous dire bonjour. Ce n'est pas le début du séminaire qu'on organise. On a une conférence ici. Mais c'est pour la dernière semaine, ma dernière semaine ici. Je voulais m'échapper, mais il m'a dit il faut prêcher aujourd'hui. Donc, où je suis là, j'étais un fugitif qu'on a attrapé. Donc, je ne suis pas Jonas, Voilà, donc je suis venu partager un message avec vous. J'ai trois séminaires à Nice, en France. Mais cette année, je dois finir ici. Ça m'a été imposé par un doyen. Et je ne prêche pas dimanche ailleurs. Parce que l'année passée, j'ai prêché ailleurs et je sortais, les intercesseurs m'ont bloqué. Ça restait peur d'aller me frapper, vraiment là. Le révérend a fui pour me laisser dans le couloir. Donc cette année, maman, je vais prier pour les gens. On ne va pas ailleurs. Et je me suis préparé pour cela. Cette nuit, dans la maison de maman, j'ai prié la nuit et j'ai dit à Dieu, dis-moi ce qui va se passer au cours du séminaire. Dieu m'a dit, des personnes vont recevoir des paroles qui vont rentrer dans leur face d'accomplissement. Je fais un songe et je vois quelque chose, si quelqu'un Abidjan. J'ai dit, mais Seigneur, je suis quitté Abidjan, je suis en Allemagne là. Et Dieu me dit, c'est un symbole. Chacun recevra une parole qui rentrera dans sa phase d'accomplissement. Acclamons le Seigneur pour cela. Amen. Maintenant, nous allons écouter la parole de Dieu. Notre nature humaine. Mais c'est avec l'élément qui vient de Dieu. Un programme. Comme dans l'ordinateur. Qui fait fonctionner notre vie. Qui fait que nous opérons dans le surnaturel. Il y a trois types de foi reconnues. Il y a la foi pour le salut. Sans cette foi, tu ne peux pas rentrer dans les royaumes. Il y a la foi pour les miracles. Quand vous l'avez, il y a des choses extraordinaires. Et il y a la foi pour l'obéissance. Et puis, le condiment, c'est celle-là qui nous amène à faire les choses de Dieu. Amen. 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 La Bible dit sans la foi, Bible on ne peut pas être agréable à Dieu. La foi ne s'achète pas dans un magasin supermarché. Ton papa peut te mettre au monde avec tout ce que Dieu te donne. Papa n'a pas qui compte yo na nyonso o nzambe apesi yo. Il ne peut pas te donner la foi. Na ko pesa yo kondimate. Pourquoi? Pour la nini? Parce que la foi vient du ciel. Pour kondimayo takana lola. Amen. 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 La vie de la foi a été relâchée par Jésus-Christ. Lorsque nous confessons notre Seigneur Jésus, nous l'acceptons après avoir écouté la parole du salut. La Bible appelle cela la mesure de foi.
Bible ezali kobenga yango mwa condiment. Il dépose ça en nous. Azali kopesa biso za kotikela biso. Et cette foi a grandi au fur et à mesure que nous écoutons la parole. Condiment wana pesa azali kokola lo mikolo na mikolo ko le kokisa na nini tosa ko ka liloba. C'est par elle la foi. Ezali na na condiment que nous sommes qualifiés pour marcher avec Dieu. Amen. La Bible dit le juste vivra par sa foi. Bible ça dit quand on a été mondi moyen que béni akobika dans l'oba. Il est bien dit il vivra. Akobika, 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 c'est fort. Et ça pèse à mutuya. Souvent nous lisons et puis nous dépassons cela. Quand tu manges le foufou, mais tant qu'on a mis foufou, comme un villageois ou de quoi? Faut manger avec classe. Il faut penser qu'on y a un bon élément. C'est pas comme ça qu'on mange. Est-ce que tu manges beaucoup? Est-ce que tu manges beaucoup? Je connais le foufou. Hein. Je suis allé deux fois au Congo. Je suis quoi de foufou, j'ai mangé. Mais tu crois quoi qu'on a foufou? Et de quoi là, je suis congolais maintenant. Donc quand tu écoutes la parole, la foi condiment prend forme. Amen. Selon le genre de parole que tu écoutes. Tu vois? La foi est la vie de Dieu en nous. Qui se nourrit par le genre de la parole que nous entendons. C'est pour cela que quand vous venez ici chaque dimanche et chaque soir, écoutez l'homme de Dieu prêcher. Il faut la foi grandit. Amen. Et c'est épanoui. Ceux qui ne viennent pas, et puis, leur foi maigrit. Et puis, leur foi à la maladie. Ou bien, parce que la foi n'a pas de vitamine qu'il faut. Parce que tu as l'église, mais avec la foi sans vitamine, naturellement. Pose la question à ton voisin, ta foi la vitamine ou bien ta foi est malade? Pose encore question. Amen. Amen. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Amen. Qui croit que sa foi est malade même? Hospitalisée. Sa foi est hospitalisée. Dis la vérité. On va appeler maman. Maman, elle est infirmière ou elle va s'occuper de perfusion. Amen. Amen. Je vous ai dit, je vais vous dire bonjour. Amen. Acceptez ça comme ça. Amen. Amen. Nous allons parler de quatre manifestations de la foi pour l'obéissance. Vous comprenez? Amen. La première fois, nous, la foi pour l'obéissance nous donne d'abord. Allons-y. De vivre selon l'esprit. Quand tel est en vous la foi pour l'obéissance, je parle pas de la foi pour le miracle et pour le salut. C'est la foi de ceux qui sont dans la maison de Dieu comme fils et filles de Dieu. Est-ce que vous comprenez très bien? Amen. C'est pour nous qui sommes sauvés. Donc, elle nous donne de vivre selon l'esprit. Allons dans Romains 8.
Romains 8, le verset 8 à 11. Vous êtes là? Amen. Romains 8, le verset 8 à 11. Vous voyez ici ce verset, où ces versets nous parlent de la première manifestation de la foi ou l'obéissance. Verset O est allé côté à Misson Gesa Colombela, Misson manifestation O et à Liboso. Comme moi, c'est à Liboso O et pour la Cotosa. Paul dit aux Romains. Paul a il venait de se convertir nouvellement. Donc, ils apprenaient à marcher selon Christ. Il va leur parler de la foi pour l'obéissance. Il dit, or ceux qui vivent selon la chair. Ne saurait plaire à Dieu. Vous voyez? Vivre selon la chair. C'est vivre selon l'homme naturel. Qui est l'homme naturel? C'est l'homme qui acceptait Jésus. Il y a l'homme. Et j'ai accepté Jésus. Donc vivre selon la chair, c'est séparer Jésus de toi et vivre. Est-ce que vous comprenez très bien? Amen. Donc tu vis sans Christ. La vie, celui qui a Jésus, il a la vie. Or ceux qui vivent, donc accepter Jésus, savoir la vie. Accepter Jésus, c'est avoir, recevoir. Donc vivre selon la chair, c'est se séparer de Jésus. Et la Bible dit qu'ils ne peuvent pas plaire à Dieu. Il dit pour vous. Pas à ton frère, il dit pour toi, pour toi, pour vous. Vous voyez, il dit pour vous, Paul dit pour vous. Vous ne vivez pas selon la chair. Vous voyez, c'est extraordinaire. Il y a deux groupes. Il dit pour vous. Paul veut dire qu'ils sont spéciaux. Littéralement spécial. Donc ils sont spéciaux. Il dit pour vous, vous ne vivez pas selon la chair. Mais selon l'esprit. Si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Mais vous voyez, il dit vous ne vivez pas selon la chair. Mais vous vivez selon l'esprit. Si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Comprenez quelque chose. Voilà. Merci beaucoup. Si vous n'étiez pas là, ça allait être compliqué. Amen. Amen. Comprenez quelque chose ici. L'apôtre Paul nous enseigne à vivre selon l'esprit. Apostolo Paul a dit autant il s'abuse qu'obila na molimo. Quand je lis ça, je dis mais est-ce que Paul lui-même là, il réfléchit bien même. Pourquoi? Parce qu'il dit de vivre selon l'esprit. Oh, nous nous sommes chers, on est chers. Et il dit de vivre selon l'esprit. Nous ne sommes pas des esprits. Nous sommes chers. Nous ne sommes pas des esprits. Nous sommes chers. Vous ne me voyez pas? Vous 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 voyez si Dieu nous parle déjà, c'est toi tu veux voir un esprit. Non. Mais Paul dit, on est quand quitté dans la chair, on est quand quitté dans l'esprit là-bas pour vivre. Est-ce que c'est normal? Paul a dit que nous avons quand il a moussouni, mais à épée, à côté, il peut à vivre. Il dit pour vous ne vivrez plus selon la chair. Oh la chair. Il faut que dans les sous-sous. J'ai besoin de me marier. Faire des enfants. Éduquer, aller à l'école. Aller au travail. Au supermarché. Manger. Me vêtir. Me soigner. Quand c'est la vie de la chair. Voilà, Paul dit non. Paul a dit vivez comme
tous les esprits. Mais pour est-ce que vous savez que depuis que Paul a dit ça, on est devenu bizarre? Mais est-ce que vous êtes bandit pour la loi? Vous ne me comprenez pas. Vous me regardez, on est bizarre. Nous sommes bizarres. Parce qu'il dit de vivre selon l'esprit. Mais vivre selon l'esprit. Est-ce que vous n'avez pas vu l'esprit pour qu'on vive comme l'esprit? Est-ce que vous avez vu comment on a vivre comme l'esprit? Ce test, mais on ne réfléchit pas profondément dessus. Vous voyez? Donc la nature de la chair nous a été arrachée. Mais la nature au pays à Moussouni, Balongola, Angobisson. Et on doit vivre selon l'esprit. Et c'est risque au tol bila, Nalolengi à Molimo. Oh, il y a quelque chose que vous devez noter. Mais disons, il y a un peu de temps, il faut que la foi elle-même. Kondima, Kondima, Angomo, encore. Vient de Dieu. Et on t'appelle pas encore. Et tu es esprit. Et nous avons fait un Molimo. La foi est esprit. Molimo, Père, Kondima, Père, un Molimo. Vous voyez? Amen. Maintenant, on doit vivre comme les esprits. Maintenant, c'est risque au bila, Nalolengi à Molimo. On ne pourra pas finir de prêcher ça jusqu'à Jésus. Donc, aussi, il s'accote à côté de Dieu. Dis-moi, est-ce qu'on peut arrêter l'esprit? Est-ce que le mur n'a pas arrêté l'esprit? Paul dit que le mur ne doit pas t'arrêter, toi. Mais Paul a le mur est au mur. Oh, il faut dire qu'on arrête. Mais un esprit, un obstacle physique n'arrête pas un esprit. Mais pensez que nous pouvons accomplir la voie. Il faut qu'on ait un mot limité. Amen. On ne voit pas l'esprit. On ne voit pas. Et si tu veux fermer toute ta porte, il va rentrer. Amen. Moi, j'étais musulman converti. Musulman. Je dormais. J'ai vu les esprits sortir de moi. Ils passaient par la porte, par le mur. Mais tu as fermé tout pour qu'il rentre. Mais pourquoi? Donc nous, désormais. Mais désormais. Rien ne doit nous arrêter. Amen. La foi pour l'obéissance vous donne. Mais quand il m'a pensé, de manifester la nature de Christ. Yakola kisa bozaleli à Christ. La Bible dit celui qui ne croit pas que Jésus soit venu en chair. Mutuaza na kundi mateki yesu yaka pensa na ndenge amusuni. Il est anathème. Parce que Jésus est venu en chair mourir à la croix. Mais quand il est ressuscité, il est rentré dans le mur. Et il allait trouver Simon pour dire tous c'est moi. Et puis, je ne sais pas si vous comprenez ça. Amen. Mais avant même qu'il ne meure, il a commencé à marcher sur l'eau. Quand les disciples ont vu, ils disent, mais ça là c'est... Comment on dit sorcier encore en Nicala? Indoki. Ils ont commencé à dire, ça c'est Indoki qui est là. Le sorcier qui est là. Écoutez. Jésus enseignait quoi pendant qu'il marchait sur l'eau? Écoutez, il a pris combien de pain et combien de poissons là? Ailleurs, les poissons sont plus nombreux. Ailleurs, vous voyez, dans les évangiles. Mais comprenez quelque chose. Il prend ça et puis bénit. Et puis ça se multiplie. Et puis pensa, et comme il est belé. Est-ce qu'il est normal? Les autres pères là, c'est quitté où? Les pères qui ont nourri plus de 15 personnes là, c'est quitté. Ma parole pensa et toi, il va toi, là, et où t'as qui voit? Ça vient d'où? Et où t'as qui voit? Vous me comprenez? Amen. Est-ce que vous êtes encore? Donc, du coup, la vie nous a été donnée. Pour vivre selon l'esprit. Et c'est la foi de l'obéissance qui fait ça. Vous recevez la nature de Jésus. En vous. Et vous marchez selon l'esprit. Lorsque vous êtes à l'église, vous ne raisonnez plus comme les hommes charnels. Regardez la suite. Au verset 10. Et si Christ est en vous, il dit plus l'esprit là-bas.
Il dit, et si Christ est en vous, le Saint-Esprit en moi, c'est Christ. Dis avec moi, amen. Amen. Christ signifie le oin. Avec son esprit. Et si Christ est en vous, le corps, il est vrai. Est mort à cause du péché. Mais l'esprit est vie. Mais mon limo est en bon. À cause de la justice. Amen. Justice. Amen. 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 Le corps est mort pourquoi? À cause du péché d'Adam et Ève. À cause du péché d'Adam et Ève, le corps est mort. Le corps est libre, le salaire du péché c'est la mort. Donc la maladie, la faiblesse, le manque, tout ce qui est infection, il dit c'est vrai. Il est vrai. Il est vrai. Donc c'est une réalité que le corps est mort. Est mort à cause du péché. Il dit mais l'esprit est vie à cause de la justice. La justice là tu ne mérites pas toi-même, mais Jésus a pris sa vie et puis il est entré en toi. Maintenant il est en toi et tu vis par Jésus. Ça c'est la foi. Alléluia. Alléluia. Maintenant, regardez le verset 11. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus. En haut, on dit, et si Christ est en vous. En bas, on dit l'esprit de Jésus. Parce que Christ là-bas, c'est le point et son esprit. Ici, Jésus, c'est l'homme. L'homme Jésus. Il est venu physiquement. Les apôtres l'ont touché. Il a été crucifié, le sang est sorti. L'homme est sorti. Jésus homme. C'est de lui qu'il s'agit. Il dit si l'esprit qui a ressuscité Jésus habite en vous. Il rendra la vie à votre corps. Et puis à cause de sa bonne mort, mortel par son esprit qui habite en vous. La troisième phrase, la troisième de la dernière, tu vois? Oui, oui. Allons-y. Jésus-Christ est celui qui a ressuscité Christ dans les morts. Okay. Rendra aussi la vie à votre corps. À cause de ça, les sous bons mots et quatre dans ton habit mortel par son esprit qui habite en vous. Son esprit Koufa, Koufa pona moli mo o eza kati na yo. Merci. Écoutez bien. Je ne peux plus tomber malade. Je n'accepte pas ça. Non, j'ai mal ici. Tu es encore dans la chair. Et puis, tu vis encore sans Christ. Et puis, Non. J'ai une nouvelle vie maintenant. Je ne sais pas si vous comprenez ça. Infecté. Il y a un serpent qui a mordu Paul. Le venin est rentré. Et puis, poison est potaki. Paul a jeté le serpent. Paul a joué à nyoka. C'est comme c'est une mouche qui s'est posée. Parce que si l'esprit de Jésus, c'est l'esprit qui a ressuscité Jésus habite en moi. Il est à moi. Il rend la vie à mon corps. Quand quelque chose rentre, il rend la vie. Quand la mort rentre, il rend la vie. En
Que ce soit dans mon compte bancaire. Que ce soit dans ma vie professionnelle. Que ce soit dans ma vie sociale. Dans mon foyer. Il rend la vie. La vie. La vie. La vie. La vie. On n'est pas encore parvenu à l'acceptation de la parole. Mais à la personne, ton comité n'a continué la liloba. C'est ça le problème. C'est écrit, mais on n'accepte pas encore. Et comment il met tout ça dans l'homme d'apporteur entend tomber malade. On n'a pas encore accepté. On a besoin on dit mais écoutez, Jésus revient bientôt. Pourquoi on n'a pas encore accepté? Nous avons prouvé au monde que Jésus est vivant. Mais dès que le Saint-Esprit a ressuscité Jésus. C'est pas mon corps. Mon sang c'est plus ça qui est. C'est le pas que l'on a des copains qui sont là. Qui est là? Nani Azali. Il y avait une sœur qui est venue, ils ont coupé son trompe. Elle m'a dit. Elle peut plus enfanter. C'est fini comme ça. Et si les ponaïe. Je lui ai dit c'est ce qui est dans ta tête. Mais naïe c'est que wana eza oza na mutu na yo. Dans ton cerveau. Na makanisi na yo. Parce que c'est ce qu'on t'a enseigné, la médecine t'a enseigné. C'est yangwana ba munganga ba lakisa kiyo. J'ai dit regarde ça. Na lakisi etala oyo. Regarde ça. Tala oyo. Il rendra. Akozongisa. La vie. Bomoi. Pourquoi il rendra ce qui a été retranché? Ce qui a été retranché? Jésus. Ce qui a été retranché? Il te rendra cela. Amen. Amen. Ça ne vous dit rien? Amen. Amen. Est-ce que j'exagère? Est-ce que vous avez exagéré? Que demain mes pieds sur terre ici. Que je suis trop dans l'air. Ok, n'a ça pensé à l'icolo, l'icolo mingi. Je lui ai dit, mais deux pieds sur la terre. Mais là, je ma corona n'a pas écrit. Amen. 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 Aïe. Oh. Vous ne vivez plus. Vous ne pouvez plus raisonner. Tu es là, tu te plains. Oh, pourquoi les sous sont ima ima te? Vous savez que ça vous a la ima ima. Les sous sont te. Amen. Amen. Te. Quand il vit en toi. Tant que ça casse na yo. La vie. Bon bon. La vie. Bon bon. Touche la vie. Bon bon. Quand tu passes quelque part, la fraîche. Je vous dis après le séminaire de la semaine prochaine là-bas, ta vie ne sera plus jamais. La vie. Une femme musulmane. Moi, si mon quoi musulmane. Elle dit qu'elle a entendu parler de ce que Jésus fait. Alors, va dire que ayoka ki oye soit salaka. Où trouver Jésus? Toko na kozwa Yesu ana wapi? C'est bien sûr à l'église. Yesu ezakati na église. Avec le chrétien. Ou bien na ba Christo. Ou avec l'enfant de Dieu. Ou bien na mwana nzambe. La foi pour l'obéissance. Kondima pona kotosa. Quand vous avez ça en vous, tant vous êtes à la canango, katinayo, devenez comme Christ. Amen. En réalité, c'est ce que nous sommes. Il y a solo et ça dingue tozali. Si quelqu'un est en Christ, ceux qui pensent Yesu aza katinayo, il est une nouvelle personne. Aza pensa mutu ya sika. Si Christ vit en moi, dans ma vie. Quand Christ, ceux qui Yesu aza katinayo, ce n'est plus moi. Et ça, les choses gaite. Vous comprenez maintenant la foi pour l'obéissance vous permet de marcher comme Christ, de vivre comme Christ. Ça encore vous avez dit le monsieur est exagéré. Non mais dites-moi vraiment, est-ce qu'on est parvenu à ça? Est-ce qu'il y a solo one? Est-ce qu'on est passé à niveau 1? Tu as vu non? Oui. Comme on est non? Oui, oui. Il y a solo. Il y a solo. Vous voyez ça? Est-ce que vous avez comment? Il rend la vie à tout.
Et oui, j'ai dit à une fille, c'est gaz, gaz est fini dans la bouteille de gaz. Elle se plaint pour. Elle-même, elle ressemble à l'inquiétude. Elle-même, elle a inquiétude. C'est pas qu'elle a inquiétude. Je lui ai dit que tu marches avec Christ et tout dans ta vie est amé. Et je lui dis, gaz ne peut pas finir normalement. Mais est-ce que gaz peut être aussi la terre? Mais tu t'inquiètes trop. Mais vous allez penser qu'à quoi il m'a. Au nom de Jésus, il y a gaz dans ta bouteille. Il y a gaz dans la carte. Tu vas à la maison, tu poses les mains seulement. Qu'est-ce que tu as le bon qu'on a à Moulangé? Elle a laissé ma main avec ça. Ah, tu le bon qu'on a à Moulangé. Tu as dit ma zate. Incroyable. Mais elle est partie quand même. Mais attendez, elle est arrivée, elle a fait. Jésus su qu'elle a fait comme ça. Vous savez quoi? La beauté a été déchargée. Amen. Elle est venue me dire. Je ne sais pas si quelqu'un nous a entendu que la personne s'est cachée pour aller me garder. On a écouté ce qu'il a dit. Ce que je sais, la foi pour l'obéissance vous donne la nature de vivre pour Jésus. Elle a utilisé ça 2 mois. Vous savez, en Afrique, comment on gaspille, non? Bon, écoutez, en Afrique, peut-être que tu gaspilles. On arrive, mais on gaspille beaucoup. Vous êtes à l'autre côté, mais tu gaspilles quand même. Vous ici, vous ne gaspillez pas trop. Mais ah, peut-être que vous gaspillez quand même, car qui est le cas? Vous êtes à l'autre côté, mais vous êtes à l'autre côté. Et puis, vous êtes à l'autre côté, mais vous êtes à l'autre côté. 2 mois. 100 000 balles. Je lui ai dit, tu crois? Na l'obéi, vous êtes à la condiment. Papa, même si je ne croyais pas, j'allais croire. Mais est-ce que vous allez la donc, vous marchez comme Christ. Mais pour ça, quand vous avez le col à Yesu. Vous vivez comme Christ. Mais pour vivre, vous pouvez vivre le col à Yesu. Vous me comprenez? Est-ce que vous avez un col à Yesu? Vous ne pouvez pas vous inquiéter. Mais pourquoi vous avez un col à Yesu? C'est un style de vie pour vous. Et comme il pense, le langage est normal, le col à Yesu. Vous voyez ça? Est-ce que pense est normal? Est-ce que tu crois que ta facture peut payer miraculeusement, si tu crois. Est-ce que ça va être la facture? Est-ce que ça va être la facture? On n'a pas encore accepté la parole. Mais parce qu'il a nous tondimé la pesade. On essaye. Comme Dieu a dit. Donc, le lingue est en balobaki. Pasteur Dieu a dit. Oh, le pasteur est en balobaki. Maman, pasteur, comme Dieu a dit encore. Maman, pasteur, c'est quand balobaki. A tous en a condimé caca. C'est écrit. Oh, et comment mi caca? Oui, c'est écrit, mais est-ce que tu accepte? Oui, est-ce que vous en a condimé en go? Mais si je suis sorcier, vous aussi vous êtes sorcier parce qu'on a le même Jésus. Parce que Jésus multiplie le pain, on ne sait pas vraiment. Bon, parce que Jésus fait un map, c'est que Kindo qui pense. C'était sa vie. J'ai mis le temps sur ça. Mais ce qui pèse tant que tant mal. Parce que les autres points n'aura pas le temps de lire parce que moi je serai encore là avec vous. Moi parce que avec qui tu causes là tant que pèse à côté de moi mais la cause de la liste sur la Bible. Je vais passer là dessus. Mais bah tant bah quoi on a eu ce message tout na koleka ango na kolobelango. Comprenez très bien. Boyo kanga malamo. Quand cette foi est en vous. Tant que continuez les actes na bino. Le juste commence à vivre. Pas la foi, le juste. Va y venir, va quand tu as ce qu'on la pona na kati na kondima. La foi c'est la vie de l'esprit. Kondima ezali penza bon moya molimo. Nous dominons deux mondes. Biso tozali penza ko dominer mokili mibale. L'homme Chanel n'est pas converti domine seul monde. Mutu oya musuni nanu abongwa mite a dominer ka mokili moko. Qui a compris? Nana yo. Amen. Spirituellement, nous dominons. Et physiquement, nous dominons. Et puis, nous avons le Seigneur pour cela. Parce que nous vivons selon l'esprit. Alléluia. Amen. Ça, c'est votre vie. Ce que la foi pour l'obéissance nous donne en deuxième point. Nous donne en deuxième point. Vous avez pris, vous m'avez arraché 20 minutes.
Il a dit à maman, maman, je prêche à quelle heure normalement? Elle m'a dit, normalement, c'est 14h00. Mais il était 20. Selon la justice. Selon la justice. Comment est-ce que c'est intelligent? Amen. Amen. J'ai parlé jusqu'à maintenant, il sent que l'heure va là, il commence à parler de justice. Parce que tant que vous kende, il y a encore un peu de colo que la justice. Donc il y a 20 minutes. Nazali sous na minutes tout comme il parlait. Amen. Je ne parle pas de Dieu, voilà, de parler de Dieu. Amen. Mais ça, c'est le bel qui tombe, voilà, le banning. Amen. Tu as vu, non? Donc, il y a la grâce de 20 minutes encore. Amen. Tu es le plus béni ici. Amen. Amen. La deuxième chose que la foi pour l'obéissance nous donne, elle nous donne d'aimer Dieu et d'obéir à Dieu. Amen. Sans attendre quelque chose. Amen. Vous voyez? Amen. C'est différent. Il y a la foi pour le miracle. Mais la foi pour l'obéissance, elle est différente. Et puis, c'est-à-dire, tu ne dis pas, Seigneur, si... Écoute-moi bien, et puis ouvre les oreilles. Seigneur. Ça, c'est le chrétien qui avertit Dieu comme ça. Seigneur, tu m'écoutes parce que demain, si tu n'agis pas, en tout cas, moi, vraiment, je n'irai plus chanter. Qui a une fois entendu une chrétienne chanter comme ça? Moi j'ai entendu beaucoup comme ça. Il faut que ton Dieu agisse. Il faut que ton Dieu agisse. C'est plus ton Dieu. Non. Quand vous avez cette foi, votre parole est différente. Vous n'attendez pas que Christ fasse pour vous. Mais cette foi vous pousse à faire. Vous aimez Jésus. Vous aimez les choses qui sont de lui. Vous êtes fond de sa parole. Vous faites. Vous comprenez très bien. Amen. Ça vous pousse à faire. Écoutez la bino au sala. Et cette foi agit peu dans la vie des chrétiens. Kondimawana et sala kapenza na lolenge ya muke na kati na bomo ya muke. Les chrétiens qui ont cette foi là, ils sont un. Bandimawana o bazana kondimawana bazala moko moko moko. Tant qu'ils ont des épreuves, ils ne font rien. Tant que vous pensez à la comécama, pas ça la kelo comme mon côté. Tant qu'ils ont des difficultés, ils ne font rien. Tant que vous pensez à pas si, pas ça la kelo comme mon côté. Tu dois régler ça d'abord avant que moi je le sache. Il faut na nzambe ayano la yango avant que ngana sambe la. Seigneur, règle ça d'abord. Oh nzambe, ça la nanu oyo. Vous n'avez pas la foi pour l'obéissance. Vous avez pensé à la condima ya koto sa te. Elle ne demeure pas en vous. Oh pensez à Yesu asa kati na binote. Prenons Hébreux 11, 8 à 9. Hébreux 11, 8 à 9. Amen. Amen. Écoutez très bien. C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit. Allons-y. Bon. Laisse-moi, je vais lire. Lis et puis tu vas. Ça peut aller. C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qui ne. Pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage. Et qu'il partit sans. Sans quoi? Soulignez ça dans vos Bibles. Il allait dans un endroit où il ne savait même pas. Il s'est levé dans les mains comme ça. À les mains. Et puis il a commencé à marcher dans les rues de Lema. Et puis à Lema. Lema, c'est ça? Lema. À Lema. Parce que moi j'habite à Lema. C'est là-bas. C'est ma commune Lema. Je veux vous montrer ma maison. Là. Vous voulez ma maison là-bas? Deux fois, il m'envoie à Lema. C'est Lema. Lema.
Il s'est levé comme ça, Abraham. Alors, mais quand on tombe au bois, Abraham, il est né dans un endroit qui devait recevoir un héritage. Alors, c'est parce que mon copain fallait avoir un héritage. Son héritage là. Héritage là. Je vais parler comme ton héritage là. Son héritage là, Yohana. Il savait pas où c'était. Alors, c'est quoi, mais si quand il les allait quitter. Dieu lui a dit va. Yes, c'est quand il coule le petit caractère. Abraham s'est levé. Abraham Abraham était normal. Et qu'il partit. Et puis, bah, qu'il sa voix. Tant que Qui peut se lever puis partir sans savoir où il va. Moi j'ai étudié. J'ai fait des recherches. Et tu sais à quoi Dieu nous compare? Mais est-ce que tu penses à mutuni nzambe azali ko comparer bisonae? Des fous. La foi est une folie. Voilà, bien que condimenter ça libon. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Il n'est même pas Ghanéen, il est là-bas quand même. Mais à elle, il peut tout le monde côté dans Ghana, pasteur Sylvie. Mais à ça, qu'on a dans Ghana, il laisse sa femme ici avec ses enfants. Atiki, moi, si n'a pas là, vous laisse ici, vous êtes là. Il est quelque part dans la ville de l'Ouest. À ça, qu'on a besoin d'Afrique et à l'Ouest, et qu'on a l'avantage. Il dit. Comme le Seigneur a dit. Alors, qu'il est normal. Amen. Vous voyez? Comment je réfléchis jusqu'à aujourd'hui. Na rezona qui na rezona kanisa qui na kanisa qui kino lelo. Dieu a élevé Abraham. Nathalie Ndenge Yesu nkolo a tombola qui Abraham. Aujourd'hui, si vous voulez manifester la foi, vous ne dépasserez jamais Abraham. So que t'as spiré lelo boni. C'est fini. Zabo manifester contre Abraham. Après Jésus. Mais mutumo kote akole Abraham. Mais après Yesu ezali Abraham. Il a appelé le père de la foi. Na bende ke pesa tata ya Abraham. Il a été révélé personnellement il n'y a pas longtemps. Et pensa makambonyo so pensa na zwa ki moni sale chose. Mais tant que vous pensez à ton nom, vous allez penser à la commande d'Abraham. Un fou comme ça, c'est récompense comme ça qui mais vous allez comment vous pensez à cause de penser à l'ifouti nini. Vous voyez. Bon, Dieu dit tu vas recevoir l'héritage. Il dit oui. Mais ça, mais à l'objet est au cause de penser à l'héritage. Mais là, il commence à aller. Abandi Kokende. Il se promène. À ta zotambola. Abraham, tu vas où? Abraham, ok, ouais. Je m'en vais comme ça. La like boy. Toi-même là. Si ton fils saute la maison, tu vas voir. Mais ça, moi, je vais faire ça. Je vais faire ça. Je vais faire ça. Mais je comprends que marcher par la foi. Mais dans ça, na continue à être. Kotambola na moli na continue. C'est agir comme un fou. Et ça dit que ça a le col à Moutouani. Ceux qui font des grandes choses. Mais bateau, ça va se faire comme un cambo à miné. Il agit comme des fous. Mais ça, c'est le col à Moutouani. Oui. Les gens disent à Abidjan que nous sommes riches, notre église est riche. Ils disent que nous avons le porte-monnaie du premier vice-président. J'ai dit aux gens, j'ai fermé les yeux, j'ai dit les travaux ne s'arrêteront jamais. Pourtant, on n'a pas 5 francs.
Mes conseillers à l'église m'ont regardé comme ça. Bah toi, on va penser qu'on va conseiller à l'église, on va traîner un gars. Parce que c'est eux qui font les calculs. Mais maman, on va faire un calcul. La dalle qui coûte fait seulement coûte 4 millions. La dalle où est-ce qu'on quitte avant la besoin qui pèse 4 millions à Bassefa. Il dit on ne les arrêtera jamais, les travaux vont continuer. Côté le matin, misale et coco basse coco ba. Il se regarde entre eux comme ça. Basa côté la naka pour. Et puis moi il les regarde comme ça. On a fait la taille de la peau pour la souris. Je sens sur eux que leur foi est parti. Nazaré on a fait on dit papa mais ça lui sous souté. Sans savoir où il allait. Mais tant que va y avoir si cani ni baso qui est. Mais regardez quelque chose, il dit obéis et parti. Mais l'obéi, pourtant, la valobie, tout ça peut qu'aider. Obéis et parti. Tout ça peut qu'aider. Obéis et parti. Tout ça peut qu'aider. Cette fois-là, elle vous donne d'obéir. Quand il m'a dit, et puis sa cabine au cotosa. Elle vous donne d'obéir. Et puis sa cabine au cotosa. Vous obéissez parce que Dieu a dit. Amen. Vous ne dites pas, Seigneur, tu m'as dit ça. Si Abraham dit, bon Seigneur, moi je ne suis pas un fou. Mais ceux qui pensaient Abraham a l'obéi était le cologue, puisque Nazali n'a jamais tourné. Bon matin. Et moi où ça se trouve maintenant. Mais je suis allé à l'école quand même. Je suis un intellectuel. J'ai étudié la tanga à l'université. À l'université. À l'université. Kin. Ah, à l'ouvrage à Kin. N'importe qui. Je réfléchis. Je réfléchis qui est mon riche intelligent. Et puis tu es là, tu ne bouges pas depuis là. Et puis au te vendre dans le cacawana au coup. Tu n'es pas intelligent dans la foi. Les intelligents dans la foi. Bato ya maele kati na ya maele kati na kondima. Bato saka et puis va kenda ka. Bato saka pe akeyi. Sans savoir où il est. Sans qu'il aille, nini, azali kokende. Les plus intelligents dans la foi. Bah tu y a mayele mingi, nakati na kondima, deba oyo. Pendant un an. Mbula mobimba. J'ai forcé l'église à être. Na pour ça qui pensa ni ngomba nyoso ezala na liboma. Ezo ali boma. Maman, nous sommes des fous. Nous sommes tous pensa batu ma boma. J'ai dit ma fille, tu as une folle, elle dit oui. Ah, la vie pensa, on s'en a conduit, maman, on a oui. Mon fils, tu es fou, elle dit oui. Oui, bien, on pensa, on s'en a dit boma. Au début, il disait oui comme ça. Et maintenant, il est passé pour le bail, ah, cowboy. Nous sommes des fous. Tout ça batu ma boma. Tu sors d'ici. Obimi, ah. Tu as un travail. On s'en a moussala, mais on s'en a dit boma. Si on te demande, tu dis, il y a un travail. Oui, moussala est allé. Et ils sortent. Il y a un de nos fils qui a joué à la folie vraiment. Mais ça pensa na mwana nanga mobali pensa ye pensa comment qui pensa pour toi boma ya solo. Ils ont écrit pas de travail ici. Alors baba comment qui est à au musala exact. Lui j'ai déjà dit travail. Mais il y a mon pas ça. Partout ils n'ont rien écrit, ne pas aller là-bas. Hein. C'est là où ils ont écrit pas de travail, c'est là-bas ils allaient de l'être. Mais donc pas de musala exact, ne bisca que na kosenga musala. Je suis un fou. Abinga na sambu to ali boma. C'est là je vais. En cas de de la commune. Le jour dans les témoignages, moi je le regardais comme là mon copain Nathalie comme ton boma. Il allait à kende qui? Il dit je suis venu voir les restaurants. On lui a demandé si tu as un rendez-vous. Est-ce que tu as un rendez-vous? Il dit non. Habité. Et il dit non, mais je suis venu chercher du travail. Mais dès maintenant, il présente comme ça. Là. Le monsieur venait ici. Bah, c'est monsieur Yaka. Lisez ça. Tanga Awa. Pas de travail. Moussala Awa, exact. Pendant qu'il discutait avec le vigile, maintenant vous pensez à ça qu'on discutait na mon conjoint, mutuana sécurité, le sous-directeur sort. Mon comme sous-directeur, donc, mon ami parlait la société on a dit. Il y a quoi ici? À tout ni des heures. Vous connaissez le patron, hein? Oui, le patron de qui va ça là? Parler des autres. Parler des autres. Il y a quoi ici? À tout ni des heures. Le gardien dit non, il vient, il travaille, mais petit. C'est bon, écrit ça. Aïe, zone comme ça, la lobby petit. Mais ma commis wana, ni ma commis wana. Vous nous embêtez, ça vaut le vous on a écrit ça ici. Mais pour ça, besoin pour tout ça, c'est ça pour la battre au corps, la bino de ton coma qui est en haut. Il dit oui, j'ai vu ça, mais je suis venu quand même. Il dit j'ai vu ça, mais je suis venu quand même. Il dit j'ai vu ça, mais je suis venu quand même. Il dit mais petit, c'est écrit, vous devez dégager. Mais maintenant, le petit, il faut reconnaître. Pendant qu'il parle. On dit petit, viens. Là, il a eu du travail.
C'était un nouveau. Il venait d'écouter la parole. Il venait de comprendre que la foi est une foi. Tu résolves trop. Amen. Amen. Les gens raisonnent trop. On dit, crois que demain ça fait lire. Il dit, prophète, demain. Vous comprenez ça? Cela est très très important. Vous voyez comment il a obéi à Dieu. Lui et ses fils Isaac et Jacob. Les co-héritiers de la même promesse. Ils ont cru de la même manière. La foi pour l'obéissance. Vous n'attendez pas d'abord que Dieu fasse. Vous vous engagez parce que vous devez obéir. Mais il faut penser à vos côtés dans les langues parce qu'il faut enseigner les bottes. Regardez pour Isaac, même le cas d'Isaac, le sacrifice d'Isaac. Il obéit d'abord. J'ai étudié la vie d'Abraham. Abraham. Tu peux regarder un homme Abraham comme ça qui a triché avec Sarah. Mais côté la pensa mutu aiba kina Sara et qui à son nom Dieu donne un endroit spécial sérieux le saint d'Abraham le nom où les chrétiens doivent passer d'abord quand ils rentrent au ciel ils doivent être là. C'est un salon d'accueil. Le créateur des cieux et de la terre. Il bâtit ce lieu-là. Abraham. Et il appelle Abraham. Et puis Abraham. Le papa de la foi. Il n'a pas donné ça à Adam. Après ça, à Adam. Après ça, à Abraham. Pour la vie et pour l'éternité. J'ai dit, mon Dieu. Donc ça signifie que Dieu, moi. Et ça pour le moment est ngaï. Je comprends. Il était fou. Asala ki muto aliboma. Amen. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. Beaucoup ne sont pas encore fous. Ils sont très sérieux, ils sont pas fous. Ils se paient bien, ils sont sérieux. Ils marchent doucement comme ça. Non, quand on a la foi, on n'est pas sur le fait comme ça. Ça signifie quoi? Quand Dieu vous dit, ne dites pas Seigneur, faites d'abord. Non. Courez. La foi est une ferme assurance. Des choses qu'on espère. Il espérait l'héritage, c'est pour cela qu'il est parti comme un fou. Comme je sais qu'il est fidèle, comme je sais qu'il accomplit sa parole, comme je sais, j'obéis avant qu'il ne fasse. Il y a deux catégories de personnes. Il y a ceux qui attendent que Dieu fasse d'abord, mais il y a ceux-là qui provoquent par leur obéissance. Ils obéissent d'abord. C'est différent. Qui a compris ça? Il y
y a des personnes que Dieu attend. Ils exercent la foi pour l'obéissance. Pour changer leur histoire. Mais ils ne sont pas encore rentrés là-dedans. Il y a beaucoup comme ça. Ce que Dieu veut que tu fasses, il faut le faire. Amen. 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 Aimer et obéir à l'ordre de Dieu. Vous voyez, cela est très important. J'ai, par la grâce de Dieu, beaucoup de pasteurs. Si vous les voyez, vous allez vous poser la question, est-ce que c'est lui-là qui est le pasteur principal? Il y a un, je lui ai dit, il n'est qu'à aller accompagner la jeune sœur au village. Au funérail. Toi, parce que toi, il ne voulait pas partir. Toi, il est régalé jusqu'à pide-don. C'est toi. Je n'ai pas prié. Il y a des gens qui disent, est-ce que c'est Dieu qui t'a révélé? Est-ce que ça, tu es mon ami? Est-ce que Bamsou, est-ce que les gens me pensent à mon ici? J'ai fait comme ça. Fico, fion. Je lui ai dit que si Dieu nous dit bonjour. Parce que vous et moi, on doit se connaître avant le séminaire. Et c'est lui qui est parti. Au funérail. C'était mon petit âge. Il est âgé que mon père. Il est parti. Il a obéi. Mais le jeune. S'il se disait, toi tu es petit comme ça. C'est qu'il y a le qui était yo, que ça aux âmes, moi, l'engue. Même si tu es mon pasteur, tu attends, ce que aux âmes, pasteur, il y a un gars, il faut qu'il continue dans le gars pour l'été. Il y a des personnes qui ne savent pas que l'oracle se trouve dans la bouche de loin. Il est parti. Et où tu as à ses funérailles. Oh, Jésus. Oh, Nkolo. Il avait eu une fille dans ce village où il y a eu des funérailles. Et dont il cherchait les informations de sa fille qui vit aujourd'hui en Europe. Azali koluka penza ba information pour na mwana na ya mwasi oyo azali awa na poto. Quand il rentrait dans le village, là, il se rappelait du nom du village de sa fille parce qu'il y a très longtemps. Vous voyez la négligence africaine, non? Et arrivé là, il a demandé à, comment on appelle ça, comme il y avait la délégation à la famille de notre soeur qui a perdu son enfant. C'est dans ce village qu'il y a le nom de telle famille. Il a demandé au village et la famille. Est-ce qu'ils ont un combo à Moutou? Il y a des bottes à Moukobo. C'est ici. Derrière ici, là, c'est la maison. C'est là-bas qu'il demande. Et puis, c'est qu'on représente des azotes. Après la dame avec laquelle il a eu des enfants. Après, dans moi, si on représente la botte à Kinaé. Et sa fille était en vacances, elle est venue en Afrique. Moi, on a eu la joie qui faisait la vacances à Outakina, à Zakina Matanga, en Gona Bissika. C'est comme ça qu'elle a croisé sa fille. Ne vous dites pas que la fille de la Kina, moi, en Gona Matanga. Sa fille a pleuré. Moi, on a eu la joie. Et la fille a dit que c'était sa maman qui a provoqué ça, qui ne voulait pas qu'il croie son papa. Alors, la fille, moi, on a envoyé pour le témoignage. Quand il est revenu à l'église, il s'est mis à genoux devant moi. Il m'a dit, désormais, quand tu me parlerais, j'obéirai. Je lui ai dit, je savais que tu n'étais pas content. Mais je suis un noir. Dieu te dit ça, Dieu t'a démontré ça. Il te dit que désormais, il faut avoir la foi pour l'obéissance. Il faut avoir la foi pour l'obéissance. Et cette fille a décidé de s'occuper de ses filles. Moi, je ne savais pas.
j'ai fait il de non. Mais c'est qu'à fico-fico-fion. Obéi est parti sans savoir où il allait. Obéi est parti sans savoir où il allait. Obéi est parti sans savoir où il allait. Mon heure est fini. Oh, tant que l'anglais est coquin. Si on me donne 5 minutes, j'ai gagné des. C'est spécial. Ah, voilà, il y a la grâce en vous. Mais on entretient la grâce d'elle. Non, si je sens que le moment est venu, je souris les autres et puis on arrête. C'est comme ça. Il est parti, sa vie a été restaurée. Tous les autres pasteurs ont pris l'exemple sur lui. Ils sont à l'écoute. Est-ce que tu vas pas nous envoyer? Il dit ça, c'est bien. Mais le Seigneur va t'envoyer au moment où toi tu ne t'attends pas. Mais comment est-ce la foi pour l'obéissance vous donne d'aimer et d'obéir à l'autre. Mais on dit, ma pona kotosa, et Seigneur lui pesa bolinga pe botosa. C'est ce qu'Abraham a eu. Yangwana pe Abraham a salaki. Vous voulez obéir, vous savez. Bolingi botosa. C'est une folie. Et ça pesa liboma. S'il n'y a pas de folie dedans, c'est pas la foi. Mais ce qui pesa liboma, c'est la quantité, c'est que kondima ezate. S'il n'y a pas de folie dedans, c'est pas la foi. C'est dans l'obit, ce qui pesa eza la liboma, la quantité, c'est que kondima ezate. Pose la question à ton frère, à ta soeur. Est-ce que ta foi a été éprouvée? Pose la question. Est-ce que ta foi? La foi a été éprouvée. Est-ce que on dit maintenant éprouvée qui? Troisième point. Vous êtes stable dans l'épreuve. Vous êtes stable dans l'épreuve. Il faut qu'on ait la pensée à côté de Mangui, Katina Momekano. On ne va pas faire la lecture. Tokotangate. Mais ce verset, mais vous pouvez noter Jacques 1, 2 à 8. Il faut qu'on ait la pensée à Jacques 2, 1 à 8. Vous rappelez de Jacques qui dit que la foi qui est tempêtée. Vous savez, il va être condiment, et j'ai moi un bon gué, Ningisami. Vous rappelez de cela? Vous savez, Bango. Dans Jacques 1, le verset 2 à 8. Jacques 1, 2 à 8. La Bible parle de l'épreuve de la foi. Bible, celui qui a la foi qui est tempêté par la trompe. Vous voyez ça? Vous voyez? Il y a condiment. Si quelqu'un dans nous manque de foi, non, va un peu plus loin, va un peu plus loin. Voilà. Vous voyez? Qui la demande à Zélix? On est où? Mais qui la demande avec foi? Verset 6. Sans doute. Mais qui la demande avec foi? Sans douter. Ce qui a cinq ans on a condiment, cinq et aïma aïma, batu o batu taka. Celui qui tout est semblable à des flots. Mutu o pesa zana koima ima, pesa na doute a kokali na mai o eza koningana na kati ya mer. Amen. Vous comprenez ça? Amen. C'est un homme irrésolu. Aza pesa mutu o yo. Dans toutes ses voies. Aza mutu o pesa a koki kozala na solution te, aza mutu o pesa aza kote le manguite na banzela nyonso. Oui, la foi pour l'obéissance vous rend stable dans l'épreuve. Mais kondima kati na kotosa, il faut ozala kote le mangui kati na momekano. Amen. Amen. Il y a des épreuves, mais vous êtes stable. Mais aza pesa na momekano, mais il faut ozala kote le mangui. Comment tu fais même? Mais yo osala kalo lenge nini? Tu ne regardes pas ta tempête. Mais osa komona te pesa koningisa manayo te. Mais tu écoutes ce que Dieu va te dire. Mais faut kolanda o kolo kolobela yo. Tu ne regardes pas l'agitation. Mais comment kokotala te osa kotala te mbonge o ezali. Il y a des personnes qui écoutent tout et ils écoutent n'importe comment. Eza na bato musu bayo kaka nyonso pe basa koyeka ngona lolenge nyonso. Leur foi est toujours agitée. Mais kondima na bango eza pesa koningana mikolo nyonso. Le frère a dit que telle personne a dit. Oh docteur alobaki boye musu sokola alobaki boye ndeko na mokolo alobaki boye yango tina na za boye. Il y a des gens qui vivent par des rapports. Eza na bato musu pesa bomo ina yo nyonso kaka. Balobaki. Le levier, la matière triste. Non. Qu'est-ce que Dieu a dit? Amen. L'enseignement qui est passé la dernière fois avait dit. L'homme de Dieu avait enseigné. La foi est stable. La foi pour l'obéissance est stable.
Elle ne papillonne pas. C'est une foi mature. C'est une foi mature. Elle croit, elle est constante. Elle est résolue. Vous voyez? Constant. Il y a des gens qui perdent l'argent, ils sont comme ça. Ils deviennent autre chose. Mais quand tu dis, mais la soeur, pourquoi tu ne loues pas aujourd'hui? Pourtant, elle, quand mais elle danse, tout le monde sait qu'elle danse. Son aloubi était. On a mis les roses à penser pour louer un zambé. Des potes, mon collant, ce qu'elle a laissé, ma copine, avec une nyo, ça va pour moi. Elle a perdu quelque chose. Ah, Abungisa qui m'bombe. Et l'argent a arraché la joie. Et puis, m'bombe, nyo, so, et donc, l'argent a arraché la joie. Et puis, elle est sengonyonso, et puis, elle est sengonyonso. Constant. Oh, Zala Penza Yakovala. Zala Penza Yakovala. Est-ce que vous appelez? Tu es stable dans les épreuves. Oh, Zala Penza Govala. T'es où? T'es pas, tu es stable dans les épreuves. On t'a pardonné, on t'a pas pardonné. Tu es stable. Tu as l'argent, tu n'as pas l'argent, tu es stable. Tu as travaillé, tu n'as pas travaillé, tu es stable. En toi, tu changeras les choses, rien ne te manquera. Amen. Et le dernier point, c'est elle produit des œuvres pour Dieu. Elle produit des œuvres pour Dieu. Jacques 2, 20 à 26. Voilà, la foi sans les œufs, elle est morte. Misala ça, condimasa misala, ezako kufa. Vous voyez, elle produit pour Dieu. Azali penza koboti sa pona kolo. Quand vous regardez le chrétien qui a la foi dans ce niveau là. Ce qui au moni penza va Christo vas la kana condima na niveau ana. Tout dans l'église. Nyonso, j'ai aimé ton exhortation et ton témoignage. Il y a des gens qui témoignent. J'ai moi un responsable qui vient en retard du décharge. Responsable na lingomba ce qui a en retard na chaka e mupanzi. Voilà. Eza benza. Je le dis. Tu me vois, mon visage est mince comme ça, mais c'est comme ça. Vous avez déjà pensé à donc à comprendre pour mengande yango na sala. Maman, c'est comme ça ici. Je suis calme, je ne peux pas laver. Comme Jésus, Jésus a pris bâton. Et puis il a fait calme. Je me suis posé la question, mais Jésus lui-même, il dit de pardonner. Pourquoi il a renversé les tables? Ce qui est sur moi, j'ai vu Jésus, un monsieur mince, calme. Si tu n'as pas fait, si tu n'as pas eu ceinture, ce qui pensa aux autres, tu ne peux pas faire ta carte. Frapper tout le monde en même temps. Même si Pierre s'avait fait par là, ils ne sont pas nombreux quand même. Mais après ce qui a Pierre, il n'y a pas qui soit là, mais il y a qui pensa à l'été. Quand vous venez à l'église, tant que Boyak en l'église, c'est notre départ. Il faut déjà bosser la moi misala. Parce que si tu as la foi pour l'obéissant, tu produiras des œuvres. Parce que si vous en avez condamné pour la cotosa, au compote sa moi misala. Tu feras quelque chose. Tu ne peux pas te sentir à l'aise si tu n'as rien à faire. Tu ne peux pas te sentir à l'aise si tu n'as rien à faire pour l'obéissant. Si tu trouves ta place. Mais il faut penser que ça la pose à l'église et si qu'un ayo a en église. Tu trouves ta place. Il faut penser que ça n'a pas. Tu n'es pas à l'aise. Tu dis mais attendez, qu'est-ce que je dois faire pour Dieu? Mais pourquoi vous en avez besoin? N'est pas ça la pose en colo. Mais toi tu en paix, tu ne fais rien pour Dieu, mais tu en paix. Mais yo sera que loko moko te pona kole. Oza penza kimia, oza penza na kimia nyonso. On va s'arrêter là. To telemika to suki wana. Pona lelo. Regarde quelqu'un auprès de toi. Tala mutu moko pembeni na yo. Et dis à ton voisin. Lobela penza voisin na yo. La foi pour l'obéissance. On dit ma pona kole. C'est ce qui te donne la force pour marcher avec Dieu. Et appelle à Dieu. Amen. Amen. Vous êtes d'accord avec la parole de Dieu? Amen. Vous l'avez examiné avec moi? Amen. Vous l'avez examiné avec moi? Est-ce que vous avez On n'est pas
pas rentrer dans les deux derniers passages, mais vous avez noté, vous pouvez le lire par vous-même. Mais pourtant, il y a des choses qui sont passées à Jean-Ami Balé, mais pour autant, d'abord, la vie n'a pas encore. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Dis merci à Dieu pour sa parole. Oh, tout le monde dans un peu pour la Lilobanaé. Merci, tu lui merci, tu lui merci. Tout le monde dans un peu pour la Lilobanaé. Merci. Tout le monde dans un peu pour la Lilobanaé. Béni Dieu, que lui merci. Que lui merci. Dieu le merci. Dieu le merci. Alléluia. Merci pour ta parole dans le cœur. Merci pour la transformation. Merci pour le renouvellement. Merci pour ta faveur. Alléluia. Nous savons que ta foi, cette foi pour le bénissant, fonctionne en nous. À partir d'aujourd'hui, par ton esprit qui vit en nous et qui produit des œuvres travers nous. Merci pour ta faveur, au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Et donc, c'était pour vous dire bonjour. Que je suis là chez vous. Et que tu dois te préparer et inviter pour le séminaire. Le thème, c'est l'élévation. Je suis dans la joie.
voyez, il a vécu encore. Il voulait voir, il a encore vécu aujourd'hui. Au bas de Cilicia. Il voulait voir. Mais au dernier temps, à la dernière minute, il a vécu, il a vu. Que Dieu bénisse notre église de Cilicia. J'appelle ma belle Lisée de prier pour les offrandes, s'il vous plaît. Tu as pu me changer. Tu es fonctionne en nous, toi en nous, Jésus, par ton esprit. Et nous croyons que ta parole grandit notre foi, active notre foi, amène notre foi à produire, à vivre pour obéir à toi. Merci parce que nous savons une seule chose. À partir d'aujourd'hui, nous obéirons à ta voix. Nous irons pour agir selon notre foi, sans rien attendre de toi. Sans rien attendre de toi. Sans rien attendre de toi, Jésus. Tu nous appelles à la foi pour l'obéissance. Oh, Abraham est allé et il est devenu le père de la foi. Noé a obéi et il est devenu le père d'une nouvelle génération. Alléluia. Alléluia. Tous ont obéi sans avoir vu auparavant. Alléluia. 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 Ils ont agi sur ta parole. C'est pour cela qu'ils sont devenus des héritiers, des géants et des modèles pour nous. Ils sont notre tableau que nous devons regarder et agir en fonction. Merci, parce que je crois que ta parole dans nos cœurs bénit. Merci, parce que les jours qui viennent, après ce culte, nous irons encore à un autre niveau. Oh, merci Seigneur. Merci. Nous te bénissons et nous croyons que nos différents familles sont bénies. Nous reviendrons avec des témoignages. Amen. Seigneur, au nom de Jésus-Christ, pour ce culte béni, et nous t'acclamons au nom de Jésus. Amen. Amen. Oh, regarde ton frère et ta soeur à côté et dis,
Dieu voit la foi pour l'obéissance fonctionner en toi. Je viens pas.